Et salut tout le monde, c'est Redkill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Roblox. On est actuellement sur Super Slayers, un jeu dans lequel nous allons devoir collectionner les meilleures épées du monde afin de devenir le plus puissant. Alors c'est une sorte de simulateur dans lequel pour l'instant je me vois pas, je suis juste derrière moi. Il va falloir qu'on choisisse notre starter. On a le choix entre ces trois épées. Oh, je vois que celui d'à côté a choisi la petite verte apparemment, oui. Et là la petite verte lui, sorte de katana comme ça. Mais franchement les amis, moi j'hésite entre ces deux-là. Elles sont clairement hyper classe. Laquelle vous auriez pris pour commencer ce simulateur? Pour moi, ça sera la bleue comme ça. Franchement, elle est hyper classe. Alors comment ça fonctionne? Je découvre le simulateur avec vous. On a une épée qui nous tourne autour comme une sorte de pète. Et oh, apparemment je peux en avoir trois sur moi. Oh, mon inventaire est vide pour l'instant. Donc bah écoutez, on va découvrir donc le simulateur ensemble. Il y a sûrement plein de choses à faire. Tout ce que je sais, c'est que les prochaines zones sont en face là-bas. Il nous faut 10 000 coins pour pouvoir y aller. Là, apparemment, on peut pas y aller encore. Ça a l'air d'être fermé par un rituel. Mais ça va être trop classe. Ah, je crois qu'il faut attaquer les bots là, comme ça, qui sont là. Les épées vont aller... Ah, d'accord. Il faut aller taper les bots. Ah, faut appuyer qu'une fois apparemment. Ok, c'est parti. Bon bah, je fais 5 de dégâts. Je peux partir, mon épée. C'est trop pratique. Une épée automatique comme ça. Par contre, si j'attaque lui, du coup, mon épée, elle va venir vers moi ou pas? Ah ouais. Oh, wow. Une épée qui arrive comme ça droit sur vous, ça me fait flipper. Bon, par contre, il faut continuer à taper lui. Hein. Par contre, faut rester à côté pour récolter les thunes. Très bien, très bien. Ok, alors il y a une petite maison de PNJ qui va pas nous servir pour l'instant. Très bien. Pour l'instant, je suis un noob. Hein. Ça fait plaisir à savoir. Regardez-le, lui. Il a un skin de noob. On pourrait le prendre pour un PNJ. Mais c'en est pas un. Ah, mais il y a un vrai skin de noob comme ça après là. Mais ils ont combien de vie ceux-là? Je sais pas. Donc allez, j'ai bientôt terminé ma première victime. J'ai eu des petites gemmes apparemment. C'est cool. Il y a plusieurs missions qu'il va falloir sûrement réaliser. Attention, il est terminé. Un petit bonus de thunes, ça fait plaisir. Et j'ai une mission où je dois tuer 10 PNJ. Regardez, il y a un noob géant là-bas. Ça doit pas rigoler ça. Oh, il y a le shop qui est juste là. Il y a le shop exclusif. À quoi il sert celui-là? Ah oui, d'accord. Celui-là, c'est pour les Robux, hein. Ok, ok, il y a pas mal de choses à faire avec des Robux. Bon, on verra ça. Oh, regardez, j'ai des codes à mettre, moi, d'ailleurs. Donc, j'ai release comme ça à mettre. J'ai également... Ça m'a donné quoi? Ah, un petit peu de thune, quand même. 2K likes, comme ça. Hop. Ouais. Et 3K likes. Là, on est bien, les amis. On a eu pas mal de gemmes. On va aller voir au shop si on a moyen de dépenser, parce que mon arme, franchement, ça a beau être un starter, c'est un peu nul, quoi. J'aimerais un truc un peu mieux. Alors, comment ça fonctionne, là? Oh, regardez toutes les caisses d'armes qu'il y a, sauf que, malheureusement, moi, j'ai accès qu'à... Bah, celle-là, quoi. Celle-là, 1000. Alors, attendez, on va prendre deux armes. C'est parti. Open a basic crate. Oh, mais c'est un jeu qui me fait penser à Pet Simulator X. Wow, j'ai eu un katana rare. Donc là, le katana rare, c'était quoi? 4%? Sérieusement? J'ai eu directement dès le début le truc le plus rare de la propre caisse. Donc ça, ça fait plaisir. Donc allez, on en ouvre une autre juste là. Et là, cette fois-ci, eh ben, on a eu... Mais là, la deuxième la plus rare. Quelle chance pour commencer. Non, mais ça va être un truc de fou. Alors là, mes deux armes, elles font respectivement 13 et 12, donc ce qui est pas mal. Et bah vivement que je puisse ouvrir les prochaines caisses, en attendant, on va aller taper du noob. Alors là, par contre, les trois en même temps, ça doit faire mal. Oh, je peux assigner donc... Là, on leur fait trop mal. Je peux assigner donc différentes épées sur différents PNJ. Je peux attaquer plusieurs personnes en même temps, ça fait plaisir. Ok, on se met trop bien. Oh, il y a des gemmes là, directement. Est-ce qu'on peut les ramasser? Non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. VIP reward. Je suis un VIP, moi? Non, je suis pas un VIP encore. Oh, c'est quoi mes ailes, là? Je porte des ailes, je peux voler? Ah non, je peux pas encore, il faut payer. Bon, on verra ça, on prendra de toute façon des trucs en Robux tout à l'heure. Et oh, le bot, est-ce qu'on peut le taper, lui? Oh, merde, merde, merde. 1500 de vie. Oh là là, oh là là. Ça va, on lui fait des dégâts quand même, hein. Non, il y a moyen d'avancer. Bon, bah, ce qui va être intéressant de voir, c'est de dépenser nos gemmes aussi, voir ce qu'on peut faire. Là-bas, il y a un truc avec un cadenas, je sais pas ce que ça va me permettre d'avoir. Et vivement qu'on puisse atteindre la prochaine zone. En tout cas, lui, il faut quelques coups quand même pour le détruire, hein. En attendant, je vais aller voir le shop là-bas, parce qu'il n'y a pas moyen de l'ouvrir à distance. Et en tout cas, on va passer au deuxième rang, apparemment, après, là. Donc, pas longtemps du tout, hein. Donc, est-ce qu'il y a moyen que je dépense mes petites gemmes, là? Comment ça se passe? Ok, donc on a des épées un petit peu exclusives, comme ça, l'épée pizza. Parfait. On a des Game Pass, qu'on va sûrement prendre tout à l'heure. Des boosters. Oh, ça, on va prendre directement des boosters pour avoir triple coin, ça, c'est direct. Donc, on prend ça, 150 Robux directement. Parfait. Oh, le noob a été tué, apparemment. Attendez, faut que j'aille voir, faut que j'aille voir. Oh, what?
toute la thune qu'il y a. Attendez, faut que j'active mon boost. Ah mais je peux pas l'activer à distance. Si si, je peux. Ah mais si, on peut ouvrir le shop exclusif d'ici. Donc attendez, mon boost il est juste là. On va l'activer juste avant de ramasser tout ce qu'il y a au sol. C'est pour moi. Et là on gagne de la thune. Donc on a accès à la nouvelle zone normalement. Et lui il est bientôt fini ou pas? Oui oui, il est bientôt fini. On va se gagner un bon bonus avec lui. Hein. C'est parti, attention. Let's go. Bah, vaincu. Donc là on a eu le boss de la première zone. On l'a défoncé clairement. Et donc on va aller s'activer les bonus restants. Il y avait quoi comme hot bonus? Triple gem, waouh. Bon par contre les gemmes je sais pas à quoi elles servent pour l'instant. Mais on va quand même se prendre un bonus parce que ça fait plaisir. Hop là. Donc plus de luck ça peut être intéressant. Mais pour l'instant on va pas le prendre parce que c'est quand on ouvrira des caisses d'armes. Ok, parfait, parfait, ça je vais d'accord, c'est très bien. Donc les gemmes, ça sera sûrement pour la suite hein, qu'on pourra les dépenser. Hein. Écoutez, on verra ça après. C'est parti, on ouvre cette zone là. Et attendez, avant d'aller voir la prochaine zone, il y a une petite offre là, 400 Robux. De quoi s'équiper de 3 armes supplémentaires? Ça peut valoir le coup ça, mais attendez, il y avait un autre truc pareil là. Un Game Pass qui fait pareil. Oh, ah ouais, mais celui-là il permet d'en avoir 5 de plus. Attends, mais directement, t'as à voir ça. Ouais, j'ai des Robux à dépenser aujourd'hui. Ok, là on est bien les amis. On peut avoir du coup 8 armes sur nous. Mais attendez, juste avant d'aller acheter des nouvelles armes, on va s'occuper des pharaons. 5000 hein. Wow, ça fait un petit peu beaucoup hein. Non, voilà, il y en a pour un petit moment. Non, non, il faut qu'on aille s'acheter des nouvelles armes, ça va pas le faire là. Ça va vraiment pas le faire. À la limite, il faudrait taper les cactus, ils sont peut-être un petit peu plus faciles. C'est des hommes cactus, vraiment. Et alors, par contre, du coup, là, les armes du début, là, à 400 Robux, elles font 2500 quoi? 2500 de elles tapent à 2500? Attendez, je vais la prendre. C'est le bâton du noob, apparemment. Je vais la prendre, on va voir ce que ça donne. Parce que si ça fait 2500, ça va être un truc de ouf, hein. On va vraiment faire trop mal. Elle fait 2500. Attendez, va attaquer. Oh! Ça la one shot! Alors attendez, parce que là maintenant les pharaons, à mon avis, je les défonce. Hein. Oh les momies! Oh ouais, mais en deux coups, je vais la tuer. Oh là là, le bâton du noob qui nous met tellement bien. On gagne tellement de thunes! Ok, parfait! Allez, go taper du noob! Donc on va essayer de faire 2-3 missions là avant d'aller acheter les armes. Non, non, quoique, autant avoir des armes. Regardez, j'ai encore 4 emplacements. Donc on va se taper au spawn. Oh mais ce jeu est trop stylé. On a moyen maintenant de s'acheter donc des caisses un petit peu plus grosses. Des caisses à 30 000. Mais malheureusement j'aurai pas assez de thunes pour en ouvrir plusieurs. Donc on va s'ouvrir celle-là. Et on a quoi pour commencer? On a eu laquelle? Attendez, j'ai pas vu, c'est laquelle? Black Cutlass. Ah c'est celle-là. Oh c'est la pénule, ok, c'est la pénule, dommage. Allez du coup on en ouvre une autre. De quoi remplir mes 8 emplacements. Et là on a la Red Riper, celle-là, 21% de chance de l'avoir, ok, pas mal. On continue. Et où est-ce que je peux dépenser mes gemmes, moi? C'est peut-être derrière la pyramide, ou dans la pyramide, j'en sais rien. Là, on a eu quoi? On a eu la Red Riper encore, d'accord, bon. Ça en fait en double, hein. Allez, on en ouvre donc une dernière, et là, on va être au complet. Et là, on a eu quoi? On a eu encore la Red Riper, c'est pas possible. Bon, très bien, très bien. Aïe, aïe, aïe. Alors, attendez, je m'attaque à les petits noobs, là, mais ça va aller très vite, hein. Ok, alors il va peut-être être temps de s'attaquer. Alors attendez, il y a un petit cow-boy là, on va le défoncer. Oh là là, on l'a démonté. On va s'attaquer au boss qui est juste là, on va voir ce que ça donne. Mais à mon avis, on va lui faire tellement mal. Oh là là. C'est bon, il est fini. Trop stylé. Désolé, je t'ai piqué ton boss, mon ami. Mais bon, j'ai pas le temps, moi, il faut que j'enchaîne. Alors par contre, elles font combien là, mes nouvelles armes? Elles font 30, 29, 27. Ok, mes premières armes. Mais mon starter, il est tellement pourri. Hein. C'est pas comme dans Pokémon où notre starter, il peut devenir quelque chose de ouf. Là, oh, on a moyen de voir pas mal de zones d'ici, hein. Attendez, la prochaine zone, c'est à 40 000 qui est juste là. D'accord, très bien. Ouais, c'est pas comme un starter Pokémon, hein. C'est la première arme. On va vite la mettre à la poubelle, hein, dès qu'on en aura acheté plus, hein. Donc là, ça y est, normalement. Oh, j'ai changé de rang. On a moyen de débloquer donc cette nouvelle zone. C'est parfait parce que mes armes sont vraiment trop puissantes pour là. Et on a des upgrades à dépenser juste là. Très bien. Donc on a moyen d'aller beaucoup plus vite, apparemment. On peut courir un petit peu plus vite. On a moyen d'attaquer plus rapidement, d'accord. Ouh, très intéressant. Mais moi, le plus intéressant, c'est que j'aille plus vite. Ah, mais ben, j'ai pas assez de gemmes. Du coup, on va augmenter la vitesse de mes armes et la puissance de mes armes également. Et là, on est bien, les amis. Déjà qu'elles avaient assez de puissance. Oh, c'est quoi? On va vraiment attaquer les mineurs, les pauvres, ils ont rien demandé. Oh. Allez, donc du coup, là, je vais en attaquer vraiment plusieurs parce que j'ai vraiment des épées de ouf qui me permettent d'attaquer plusieurs personnes en même temps, hein, vraiment.
Hop là, à part voilà, non, là, malheureusement, celles-là, elles font pas très mal, donc il faut peut-être en envoyer plusieurs, là. Oh, ça serait tellement bien que j'ai que des armes, les bâtons du loup, franchement, ils font tellement mal. Ok, très bien, alors le boss est là-bas, on va attendre que mes petites armes aient terminé. Hop, finissez ces gars-là, là. Oh là là, mais ils sont tellement longs, du coup, avec les premières armes. Oh, pourquoi il est tout rouge, comme ça? Voilà, parfait. Donc on va surtout aller voir le boss qui est juste là, à quoi il ressemble, le boss des mineurs, apparemment. C'est un cyclope! On va l'attaquer! Oh, mais il était déjà bien amoché, apparemment. Mais bon, c'est pas grave, on va le terminer, hein. Ça nous permettra de finir cette zone-là. Et bam! Terminé pour toi, mon ami. On a 150 000 de thunes. À mon avis, avec ça, on va pouvoir aller sur la prochaine zone, si je me trompe pas. Ah oui, la zone était là. Elle coûte 150 000. C'est une extension un petit peu du désert. Ah non, c'est plus la plage, j'ai l'impression, hein. Allez, débloque-toi, mon ami. Tac! On va bientôt arriver sur des mobs à notre niveau, je pense, hein. Oh! C'est les poiscailles. Tac, attaque-moi ça, tac. Parfait, c'est les hommes poissons qu'on est en train de détruire. Oh, il y a un petit requin là. Vas-y, vite, finis. Je vais m'attaquer au requin. Oh, il y a le squid boss qui est là-bas. Alors, attendez, le requin. Oh là là, il commence à avoir pas mal de vie là. Là, on va commencer à mettre un peu de temps à les tuer. Mais tant mieux. Allez, hop, finissez-moi ça. Go, boum. On ramasse tout, bien évidemment. Ah, oh, j'avais oublié de ramasser ce que j'avais fait là-bas. Et on va aller donc s'attaquer au boss, même s'il y a déjà quelqu'un dessus. Il a combien de vie, celui-là? Ah, oh, j'arrive pas à voir sa vie. Ah oui, il faut que je l'attaque d'abord. Oh, 90 000. Ok, on envoie toutes les épées, là. Là, il n'y a pas de question, là. Il n'y a pas d'autres épées qui vont aller ailleurs. C'est vraiment tous sur lui, là. Il faut le défoncer. Oh. Ok. Là, c'est un peu plus long. Ça y est, on commence à galérer. Et donc, du coup, il nous faut 575 000 pour aller à la prochaine zone. Apparemment, très bien. Allez. Attaquez-moi ça. Donc, est-ce qu'on a moyen de débloquer d'autres choses ici? Là, je pense pas. On peut acheter des gemmes directement, mais c'est pas intéressant pour l'instant. Et, ok, non. On a tout ce qu'il faut au niveau Robux, franchement. On s'est mis bien. On a tout ce qu'il faut pour aller donc dans les zones suivantes après. En tout cas, il fait vraiment pas mal de thunes, ce boss-là. On arrive aux 560 000. On va pouvoir débloquer donc la zone suivante. Et là, bam, c'est vaincu! On a vaincu le Giant Squid. Alors attendez, je vais quand même détruire deux poissons supplémentaires là, parce qu'en fait j'ai moyen de terminer une mission là qui était de tuer 5 petits hommes poissons. Normalement ça va le faire là. Et on va aller s'acheter des nouvelles armes, ou alors je vais aller à la nouvelle zone, je sais pas, j'hésite. Non, nouvelles armes, franchement, elles commencent à se faire vieilles mes armes de merde. Donc voyons voir les caisses qu'on a maintenant. J'ai 735 000, tant pis pour la prochaine zone, je vais dépenser toute ma thune. Ah mais elles sont bloquées, ah non je suis obligé de débloquer. Ah non elles sont là. Ah ouais, mais vaut peut-être mieux débloquer la prochaine zone, hein. Je sais pas, non, allez, vas-y. On va prendre ces caisses-là à 280 000. Je vais pouvoir en avoir que deux, malheureusement. Mais bon, au moins, on va peut-être avoir des trucs de ouf. Attention, on a eu la... Oh, l'épée Among Us. L'épée Among Us, c'est pas la plus rare, mais franchement, c'est la plus stylée, hein. Allez, j'en rachète un autre. Hop, c'est parti. Et attention, suspense. Et... Ta-da, la Plastic Blade. Ok, on a eu la plus pourrie, mais bon, c'est pas grave. La Plastic Blade a fait 165. Ok, il est temps de virer le starter qui était dégueulasse. Et on va mettre la Among Us et la Plastic Blade. Et là, on est bien. Très bien. Bon, retournons du coup au désert là-bas, enfin à la plage. Ah, mais attendez, regardez, il y avait un truc là-haut. Et on dirait un player... Ah, c'est un sword upgrade. Mais si on peut upgrade nos épées, donc on pourrait upgrade la première, mais je suis pas sûr que ça vaille le coup. Gold, si on la met gold, ça fait quoi? Non, j'ai pas envie de dépenser mes gemmes pour ça. Non, par contre, s'il y a moyen d'améliorer celle-là, ça peut être ouf, hein. Converte 5... Ah, mais il m'en faut 5, d'accord. Ah, il me faut 5 fois la même pour pouvoir l'améliorer. Bon, bah, ce sera pas pour l'instant. Hein. Après, il y a celle-là, là, que j'ai en 4 fois, hein, mais bon, je sais pas si ça vaut le coup de l'améliorer. Ah non, je l'ai en 3 fois, en fait. Bon allez, on va retaper du squid, histoire de retrouver notre thune qu'on avait tout à l'heure. Et on débloque la prochaine zone ensuite. Oh, c'est quoi son arme à lui? C'est une télé? C'est un marteau de télé ou quoi? Oh, par contre, son épée en ballon de baudruche, elle est trop classe. Je veux la même. Allez, pas encore un boss. 2, détruit. Et on a largement assez de thunes pour débloquer la zone là-bas. Très bien. Alors attendez, juste avant d'y aller, on va aller se faire une petite upgrade avec les gemmes. Du coup, parce que j'ai moyen de débloquer encore un petit peu plus de vitesse de course, hein, ça c'est intéressant. Oh, regardez maintenant comment je les défonce. Oh là là, bam! Oh, c'est pas du one shot encore, hein.
Non, c'est pas du one shot. Donc voyons voir ce que c'est la zone suivante. On dirait que c'est une zone un petit peu volcanique. Je vois de la lave. Oula, ça commence à être dangereux ici. Allez go, on dépense notre thune et on a accès à des hommes qui sont complètement cramés. Hein. Ils sont un peu chelous ces gars-là. Alors attendez, go, toutes les l'attaquer. Et on est bien. Oh, il y a des hommes faits de lave. Bah non, très bien. Oh, le boss, il est juste là-bas. Il est trop stylé également. Allez, on va attaquer lui. Il a 28 000 de thunes. Ah, oh, ce qui en fait un petit boss quand même, hein. C'est pas mal 28 000. Hein. Oh, est-ce qu'il va falloir voler? Non, c'est bon, il y a des petites passerelles, on va pas acheter des ailes en plus. J'ai déjà assez dépensé de Robux. Allez, défonce-moi ce gars-là. Attention, c'est bon, parfait. Donc allons voir le boss, même si ça a duré un peu de temps, parce que bon, je pense qu'il est fort celui-là. Oh, il est trop stylé. Allez go, on l'attaque. Il a combien de vie lui? 230 000. Ok, on envoie toutes les épées là. Là, il n'y a pas le choix. Et on va aller voir un petit peu de ce qu'il y a de ce côté-là. Là. Ok, il n'y a pas grand-chose. C'est très beau par contre. Bon, très bien. Alors là, il faut genre plus d'un million pour avoir accès à la prochaine zone. Mais bon, de toute façon, il va falloir que j'achète de nouvelles armes surtout là. C'est vraiment le plus intéressant parce que mes armes, elles commencent à se faire vieilles. Hein. Franchement, j'ai des armes encore à 13 de dégâts. Ça craint un peu, hein. Ça craint un petit peu. Allez-y, mes petites épées. On est à peu près un petit peu plus que la moitié. Donc, on est bien pour l'instant. Oh là là. C'est trop marrant comment elles attaquent automatiquement. C'est trop stylé. Mais en vrai, il y a que celles que j'ai achetées avec des Robux qui fait des dégâts. Hein. Toutes les autres, elles sont tellement nulles, mes autres épées pour l'instant. Mais au moins, elles ont le mérite d'être stylées. C'est au moins le plus important. Non, c'est pas le plus important, il faut faire plus de dégâts. L'avantage, c'est que les boss ou même les PNJ, ils se défendent même pas, hein. Genre, ils se laissent défoncer, les types, ils restent là, tranquillement, ils s'en fichent. Oh, je vais avoir une nouvelle mission de réussite, là, quand j'aurai collecté 2500 orbes, il m'en restait plus que 100, là, je pense que je vais la finir, là, la mission. Je sais pas ce que ça va m'apporter, mais en tout cas, oui, ça y est, je l'ai fini, j'ai eu plus de gemmes, et par contre, lui, il va mourir. Rank up, on est passé en mode amateur, les amis. Est-ce qu'on est premier du serve? Ah non, on n'a pas le classement pour l'instant, on l'a pas d'ici, en fait. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre boss à tuer, là? Franchement, on peut tomber dans la lave ou pas? Oui, on peut. J'ai eu peur. Très bien, très bien. Non, apparemment, il n'y a pas d'autres boss. Par contre, il y a ces petits bonhommes rouges là qui ont l'air d'être pas mal puissants, qui vont nous permettre d'avoir pas mal de thunes. Ah oui, 73 000. Oh, c'est autant que le squid qui est là-bas. Hein. Donc, c'est un bon petit boss quand même. Hein. C'est finito pour toi, mon gars. Je suis le roi de cette zone. Ok, j'ai 3 millions de thunes dans le plus grand des calmes. C'est par où la sortie? C'était par là? Non, c'est pas par là. Oh là, c'est un passage secret ou quoi ça? Et où là? Ah non, on peut pas passer. J'ai quand même eu pas mal de gemmes en très peu de temps. Et ce que ça va nous permettre, c'est encore d'améliorer la vitesse, je pense. Hein. Ça pourrait être pas mal. Hein. Ah, il y a une zone à 2,15 millions. Et l'autre, il y en a une à plus d'un million, je crois. Oh, nous, on va aller s'occuper de celle à 1 million. Hein. Quoique, on pourrait prendre directement celle à 2 millions. Mais bon, ça vaut pas le coup, je pense, pour l'instant. Alors, est-ce que j'ai assez, donc, du coup, pour. Ouais, encore augmenter ma vitesse de course. Ça, c'est nickel. Ah, petit cactus, désolé, t'es sur mon chemin. Bah. Donc alors, reprenons une petite vue d'ensemble, qu'on fasse un point là, parce qu'on avance plutôt bien. Hein. On a une zone ici, oh, il y a une zone là-bas à 30 millions. Et nous, on a... Ah, mais non, il n'y a pas de zone à 1 million, j'ai rêvé, je crois. J'ai rêvé ou pas? Je crois que j'ai rêvé, hein. Ou alors c'était celle qu'on a débloquée juste avant, ben oui, je crois. Du coup, nous, on doit aller dans la forêt, là. Waouh, nouvelle ambiance. On va voir des Robins des Bois, je pense. Allez, c'est parti. Go. 2 millions et c'est parti! On attaque cette personne qui... Oh, c'est un bandit de la forêt! On doit le défoncer. Oh, ok, il y a une zone à droite à 8 millions là. Il y a un truc là-bas. Oh, il doit y avoir le boss. Il doit y avoir le boss là-bas. Ok, donc t'es là. Déjà pour l'instant, on met un petit peu plus de temps sur ces PNJ. Hein. C'est bon. Allez hop! Terminé pour toi. Alors, c'est quoi ces types là avec la petite capuche là? Ils se prennent vraiment pour des mecs de la jungle. Hein. Alors, est-ce que le boss est là? Est-ce que. Oh, mais non, c'est des enchantements qu'on peut faire sur nos épées. Oh. Moi, je veux faire directement un enchantement. 10 000. Ok, il me faut 10 000 gemmes. On va enchanter, du coup, ma première arme, clairement. Là, il n'y a pas le choix. Le boss est là. Par contre, il y a quelqu'un qui est dessus depuis tout à l'heure. Il a combien de vie? Oh, il a 130 000. Attendez, j'arrive, je vais le terminer, moi. Je vais le terminer avec lui, je vais l'aider. Il y a une zone à 112 millions de ce côté-là. Mais c'est la forêt. La forêt, c'est les meilleures zones, clairement. C'est les zones les plus chères. Allez, on va s'occuper de lui, là, tranquillement. Alors lui, il a quoi comme arme, le gars à côté de moi? Il a un truc en triangle, comme ça, là, qui est pas mal. Après, on les voit pas très bien, les armes. Il y a celle-là, ok. Et il a le starter, je crois que c'était un starter, la verte, là. Et après, il a pas grand-chose d'autre, hein.
Ok, il reste combien de vies? 60 000 de vies. Et on est déjà refait un niveau thune, hein, parce qu'on est déjà à 3 millions, je pense, en le tuant. Ça va me permettre d'avoir un petit bonus encore et avoir peut-être les 3 millions. Non, même pas les 3 millions, mais c'est pas grave. Allez, on retourne au spawn. C'est le moment pour nous de changer d'arbre. Enfin, avec 3 millions, là, je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir. Surtout qu'on a débloqué de nouvelles caisses. Alors du coup, c'est celle en haut, là. Oh, c'est celle-là, c'est celle-là. Les caisses 3,5 millions, celle-là. Oh là 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 là, ok, ok. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir prendre celle à 3,5 millions, mais c'est pas grave. On va prendre celle-là. Il y en a une, on a 1% de chance de l'avoir, hein. Donc allez, c'est parti. 1,3 million. Allez, un peu de chance, s'il vous plaît. De la chance. Hé, hey, la green cutter, celle à 2%? Non, j'ai eu la... Non, j'ai eu la première. Oh, j'ai eu la plus pourrie. J'ai eu la plus pourrie, je crois. C'est la faux que j'ai eu. Bon, c'est pas grave. J'en ouvre une deuxième. Allez, s'il vous plaît. Au moins, celle-là. La green cutter. Non, j'ai eu deux fois la même. Attendez, c'est bien la faux que j'ai eu. Ah non, c'est celle-là. Ok, alors attendez, mais oh, finalement, c'est pas trop mal. Ah, c'est la deuxième. Ok, ouais, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Bon, bah, allez. On va les équiper, bien évidemment. Tac, on enlève ça, on enlève ça. Et 431, on commence à se rapprocher de mon épée de noob, mais c'est pas, c'est quand même encore un peu loin quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai assez de gemmes donc pour enchanter ma meilleure arme. Il s'agit de celle-là que nous allons... Oh, et alors ça du coup, ça a fait quoi? Oh, j'ai eu Gold Touch qui me permet d'avoir plus de thunes lorsque... Incredible. Ouais, ok, dès que je tue des mobs en fait, hein, dès que je tape des mobs. Pareil pour les gemmes, j'ai plus de gemmes et j'ai moyen de faire plus de damage. Ok, ok, ok. Bon allez, on va réattaquer le boss du coup, c'est vraiment celui qui nous permet d'avoir le plus de thunes, clairement. Et là du coup, oh, il avait 650 000 de vie au départ. Ça va être, là ça va être long, hein. Mais bon, au moins on va se gaver de thunes, hein, ça c'est sûr. Ça y est, on arrive à bout de ce gars-là, mais la prochaine zone du coup, ouais, c'est 8 millions, on n'aura pas assez, il va falloir s'en refaire encore un autre, je pense. Et sinon, ouais, les petits mecs de la forêt, je pense pas qu'ils me rapportent assez de thunes pour... Le mieux, c'est d'aller sur lui. Hein. Vraiment, lui, il est blindé, quoi. Attention, nous allons réassister à la fin du boss de la forêt, ce petit noob. Ha, 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 et bam. Let's go. On est quasiment à 8 millions, quand même. Hein. On aurait pu. Allez, go taper lui, là, un petit peu, là. Depuis tout à l'heure, il nous regarde, il fait rien. Voilà. Donc ouais, prochaine zone, 8 millions, très bien, très bien. On pourrait aller s'acheter deux armes si on voulait, deux armes à 3 millions. Je sais pas, j'hésite, franchement. Oh, regardez, le boss, il est revenu encore. Il est revenu. Allez, on se le refait encore une fois, c'est parti. Allez, le grand va tomber pour la troisième fois et nous, on a 13 millions de coins. Donc là, c'est direction la prochaine zone et les caisses qui vont se débloquer, les caisses de malade. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est? Non, me dites pas que c'est ce que je crois. C'est un cimetière. Ah ouais, autre ambiance là. Oh, il y a une zone à 30 millions, d'accord. Très bien. Et là, c'est pas notre problème. 226 000. Oh là 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 là. Oh, le faucheur. Le faucheur, il est là. Ok, ok. Bon, là par contre, il y en a un petit moment pour le tuer, mais ça rapporte pas mal de thunes. Bon, là, ça craint. Là, il y a un petit... Oh, le boss est juste là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Il est trop stylé. Il est trop stylé. Il a combien de vie, lui? Je le regarderai tout à l'heure. Et là, ouais, prochaine zone à 30 millions, d'accord. Bon, très bien, très bien. C'est un peu la crise, là. Donc, il va nous falloir de nouvelles épées, hein. Donc, go faire de la thune un maximum, là. Mais les squelettes sont tellement longs, franchement. On va passer à un nouveau rank dans très peu de temps. Est-ce que je peux aller au spawn pendant que mes épées sont en train de taper? Je vais voir. J'espère qu'elles vont rester là en train de taper. Ouais. Continue de taper, très bien. Comme ça, ça me permet de voir un petit peu les caisses suivantes. Alors, elles sont où? C'est celle-là, là-bas. Ouais, c'est celle-là. 15 millions, d'accord. Ouais, il nous faut absolument ça, les amis. Il faut qu'on débloque ces caisses-là. Donc, allez, je vais essayer d'avoir 30 millions. Comme ça, je pourrais en acheter deux. Et je vais retourner voir mes épées, moi. Ah ouais, je suis passé au rang pro, maintenant. On voit mes épées au loin qui font des dégâts, tout là-bas. Oh, bien joué, mes petites épées. Vous avez fait le taf. J'espère que vous m'avez laissé pas mal de thunes. Ah oui, pas mal. Ok, alors le boss, il fait combien? Le boss, alors lui, à mon avis, 1,8 million. Ah ouais, mais j'arriverai jamais à le terminer avec mes épées. Là, il me faut vraiment des meilleures épées. Et eux, 140 000, ok. Et les faucheurs, combien ils font? Peut-être les faucheurs, ils sont entre les deux. Oh, 340 000, ok, c'est trop. Non, non, il faut toutes mes épées à y attaquer, lui, là. Il faut qu'on tue des mobs, des petits mobs, là, pour l'instant. Hop, faut mettre toutes mes épées sur lui, s'il vous plaît. Allez, go. Allez, hop, toi, tu es terminé, petit fantôme. Bon, ça m'a pas rapporté énormément de thunes, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais engager toutes mes épées sur ce petit faucheur. C'est bon, elles y sont toutes. Ah non, il en manque une. Allez, vas-y, toi. Elle veut pas y aller. Cette épée veut pas y aller. Elle est buggée. Oh, cette épée, elle est buggée. Elle est sur moi, elle veut plus. Bon, ok. Elle restera avec moi. Je vais aller upgrade mes caractéristiques parce que ça faisait un petit moment que je l'ai pas fait. J'ai 23 000 gemmes. Donc
quoi pouvoir augmenter la puissance de mes épées, je pense. Ok, alors, c'était par là, je crois, et on a toujours cette épée, mais... Cette épée est complètement buggée, hein. Je sais pas laquelle, ça va être la dernière, la plus nulle. Oh, il restait de la thune, là. Donc, du coup, on a dit, niveau caractéristique, on avait pas mal de trucs à faire. Orbridge, ah... Je pourrais prendre ça, gem drop. Voilà, oh là. Je sais pas trop ce que c'est ça. Je crois que ça permet d'avoir plus de drop. Allez, je vais en prendre. Au pire, si c'est ça, c'est cool. Et la sword puissance. Très bien. Allez, voilà, j'ai plus de gem. Allez, je vais retourner voir mes épées. Je sais pas où elles en sont. Alors. Oh, pas mal, vous avez bien avancé. Ah oui, ça prend un peu de thune. Bon, je vais les laisser terminer. Quoique, non. Je vais attendre. J'allais acheter une nouvelle arme, mais. Ça sert à rien parce que là il va mourir, donc autant que je prenne toute la thune. Je les ferai réattaquer un autre mob juste après. Je vais aller acheter une arme quand même à 15 millions. Et la prochaine zone du coup est 30 millions. Oh, c'est Halloween? C'est la maison hantée? Ok. Il n'y a pas beaucoup de mobs là apparemment. Ou alors ils sont tous là-bas, ils sont dans la maison peut-être. Je sais pas, on verra ça tout à l'heure. Ou alors non, je vais vraiment attendre d'avoir les 30 millions et je retournerai au spawn. Comme ça me fera pas retourner au spawn deux fois. Je vais... Quoique, non mais je vais essayer de voir les nouvelles armes. Allez, je suis pressé donc je vais y aller juste après là. On termine lui, on fait attaquer un fantôme après. Et on y va. Allez, go, terminé. Je veux ma nouvelle arme. Attention. Hey. Boum, petit chauffeur. Faucheur, pardon. Allez, hop, toi. Hop, on te termine. Et nous, on retourne au spawn. Tac. Et donc, on a dit une caisse à 15 millions. Hop là. Qu'est-ce que ça coûte cher? C'est un truc de fou. Allez, voyons voir ce qu'on va avoir. S'il vous plaît, un peu de chance cette fois-ci. Un peu de chance. Attention, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le... Oh, c'est laquelle, celle-là? Ah, oh, j'ai eu la hache toute basique. Mais qu'est-ce qu'elle est nulle. Elle fait 1240. C'est finalement pas trop mal. Bon, en attendant, j'ouvrirai bien. Oh, regardez, on peut avoir un couteau, une dague comme ça. Un petit peu comme dans Counter-Strike. Ça serait trop bien que je l'ai. S'il vous plaît. Bon, histoire. Oh, j'ai eu une cuillère. J'ai une cuillère, c'est pas possible. Elle fait combien cette cuillère? Elle fait 728, ok, ça reste mieux que toutes mes épées de ouf, mais bon. Oh, mes épées sont revenues, elles ont terminé apparemment le petit fantôme là-bas. Il y en a un autre qui a respawn. Donc allez, je prends tout ça et... Ok, 3 millions, c'est pas mal. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre les 5 millions finalement. Je vais m'acheter plein d'armes à 5 millions parce qu'il faut que ça avance, hein, sinon j'avance pas assez vite. Donc on fait ce qu'on a dit, on achète donc, hop, une nouvelle à 5 millions. Un peu de chance, s'il vous plaît, pour une fois. Un peu de chance. J'ai une manette de Wii. Qu'est-ce que c'est nul. Elle fait combien celle-là? Elle fait 765. Ok. Regardez là. Qu'est-ce que ça vient faire là? On est sur un jeu d'épées, j'ai une manette Wii. C'est pas possible. Ah, mes épées ont terminé apparemment. Oui. Alors est-ce que je vais avoir assez? Est-ce que je vais réavoir 5 millions? Ah non, à peine 3. Bon là les amis, j'ai pas mal farmé car j'ai quasiment terminé ce boss là. Mais surtout, j'ai 70 millions en espérant avoir les 75 millions, ce qui me permettra d'acheter tout un tas d'armes à 15 millions. On sera hyper bien présent et c'est la fin de ce boss là enfin. Waouh, il s'appelait le fantôme apparemment. Oh, j'ai pas eu les 75 millions, ok. Je vais farmer les 75, enfin les 2 millions qui me manquent et on va aller s'acheter des nouvelles armes. Et là les amis, on sera paré pour la suite surtout, hein. 30 millions, allez dites-moi que ça va suffire. Et... Waouh, tout petit peu, ok. 1, 2, 3 coups sur celui-là et on sera bon. Allez, vite. Je veux découvrir mes nouvelles armes. Je les veux. Tout. Spawn. Encore un coup, s'il vous plaît, encore un drop. Merci. Allez, go spawn. C'est parti. Et là, on va s'amuser. Bon, on a ces caisses-là, donc, à 15 millions avec différentes jolies armes, apparemment. Allez, go. 15 millions, donc, la première. En espérant avoir la 0,15%, s'il vous plaît. Non, j'ai une hache toute pourrie. Bon, très bien, ça commence mal. Allez, on en veut une autre. Bon, par contre, la hache, elle fait combien, là? Celle qu'on vient d'avoir, elle fait... ah, mais on l'a déjà, celle-là, 940. Et là, Lil Pointy. Ah, c'est quoi, Lil Pointy? C'est laquelle, celle-là? Lil Pointy. Ah, c'est celle-là, d'accord, ok. Elle est pas ouf non plus, hein. Ah, toutes mes armes sont revenues, là, d'ailleurs. Il est temps de remplacer ces cuillères, hein. C'est pas bon d'avoir ça, c'est pas normal, à mon niveau. Lil Pointy, encore. J'ai encore eu la plus pourrie, sérieusement, un peu de chance, là. J'ai besoin des meilleurs. Là, ça va pas le faire. Allez, un peu de chance. S'il vous plaît. Non, encore une hache toute pourrie. Bon, allez, c'est ma dernière chance. S'il vous plaît. 15 millions pour terminer. Je suis complètement ruiné en espérant avoir... Oh, Chain Hammer. Oh, c'est celle-là. Ok, à 18%, c'est pas trop mal. C'est une uncommon. Donc, allez, on va équiper tout ça. Donc, alors, celle-là, tu t'en vas. J'ai remplacé toutes mes... Ah non, je peux pas remplacer toutes mes cuillères encore. Alors, attendez, je mets ça. Ça.
ça, et alors si je peux virer, je peux même virer ma Wii, ma manette de Wii, et mon autre cuillère, elle s'en va, et je peux mettre ça là. La Wii, oh, j'ai dit, tu t'en vas. Toi, tu viens là. Et ok, je crois que j'ai équipé le meilleur, là. Il n'y a pas un bouton équipe best, mais de toute façon, là, j'ai le meilleur, hein, clairement. 913, ouais, c'est ça, c'est dans l'ordre et tout. Ok, bon, bah, allons voir maintenant si c'est efficace. Je pense que sur un homme de la forêt, c'est déjà pas mal. Oh, ils font déjà 65 000, hein. Il leur faut des coups, hein, quand même. Oh oui, non, mais ça reste pas mal. On l'enlève un quart de vie à peu près à chaque coup. Pas mal, pas mal. Bon, bah là, je vais rapidement farmer les 30 millions, du coup, qu'on puisse passer à la zone suivante. Bien évidemment que j'aille taper le boss de la zone suivante, là, ça me permettra d'avoir un peu de thune. Donc, allez, on tue donc ces fantômes que je galère depuis tout à l'heure à tuer, hein, ça me met tellement de temps. Et là, franchement, c'est un petit peu mieux, c'est un petit peu mieux, il faut l'avouer. Bon, bah allez, j'envoie toutes mes armes sur le boss. Allez, hop, et c'est bon, ok. Alors là, du coup, ouais, c'est 1,8 million au début, donc c'est pas mal. Mais ça va le faire, normalement, je pense qu'avec rien que le boss, je pourrais avoir les 30 millions pour la prochaine zone. Donc bah, vivement, hein. Allez, encore un peu, en tout cas, moi j'ai les 30 millions et lui, il va tomber pour la deuxième fois. Rien que lui, il m'a rapporté quand même 35 millions, donc il va falloir le remercier, hein. Donc allez, direction celle à 30 000 coins. Et donc on a dit c'était Halloween. Et là on a des vampires. Des vampires à 337. Oh ça va, ça va. Ils ont pas trop de vie. On peut les défoncer. Ok, très bien. Donc voyons voir ce qu'il y a par la suite. Je vois qu'il y a un petit zombie là qui nous attend. Excuse-moi petit, je ne fais que passer. Je ne veux pas te menacer. Et on a, le boss qui est juste là. Le boss citrouille. C'est le boss citrouille. C'est clairement le boss le plus stylé depuis le début. Oh, il est trop classe. Il est trop en classe. Ok, on peut rentrer dans la maison ou pas? On peut? Non. Oh non, dommage. Waouh, la musique a changé et tout. Trop classe. Ok, bon, alors, est-ce qu'on a terminé le premier? Nous, on va s'attaquer au boss après. Et donc, on a sûrement débloqué des nouvelles armes. C'est ça le plus important, ouais. Alors, attendez. On va aller voir. Il en est où? Oh, ok, c'est bon, il est presque terminé, Dracula. Hop là. Allez, redonne-moi toutes mes épées, toi, là. Termine. C'est bon, parfait. Donc, le petit zombie, là, combien il fait, lui? Oh, il fait pas beaucoup de vie, hein. Donc, allez, je vais le tuer, juste de passage, comme ça. Voilà, il était sur mon chemin, je le tue. Voilà, ça a été plutôt rapide pour lui. Et je suis pressé de voir combien le boss, à mon avis, il doit avoir peut-être 4 millions, 5 millions de vie, peut-être. Je sais pas, c'est peut-être un peu beaucoup. Combien? Oh, 4 millions 3, ok. Oh, si vous voulez. Je crois que j'étais dans sa citrouille. Alors, attendez, hop, j'envoie tout. Go. Très bien, on y est. 4 millions 3, d'accord, ok. Là, ça va vraiment pas vite, hein. Mais bon, moi, ça va me permettre d'avoir une. Oh, je vous laisse attaquer, moi, je retourne au spawn. Je vais aller voir les nouvelles caisses qui ont été débloquées. Je pense que c'est les deux à droite, là. Combien? 66... Oh, non, 6 millions. Ok, ça craint. 18 millions, celle-là. Ok. Ah, c'est limite si je peux en acheter une dans très peu de temps, là. En tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller dépenser mes gemmes. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Je pourrais enchanter mes armes, en vérité, hein. Ça fait un petit moment aussi que je l'ai pas fait, hein. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais aller enchanter 3 de mes meilleures armes. Hop, j'espère que c'est encore 10 000. Ouais, c'est 10 000. Alors, on va faire celle-là. Enchanter. Tac, hop. On a eu quoi? On a eu qu'un truc, malheureusement. Dommage, Staker. Alors que l'autre, on avait eu 3 trucs directement. Allez, go! On enchante celle-là aussi. Et celle-là, oh, double damage, ok, dommage. Et celle-là, oh, attention! Ah, cold touch. Ok, il n'y a que celle-là, en fait, où on peut en avoir 3. Bon, très bien. Bon, allons voir où est-ce qu'on en sont, mes petites armes. Ça va, vous vous amusez bien là-bas? Oh, mais attendez, regardez, c'est bien un fantôme que j'ai vu sur la route. Oh, il est trop classe, j'aimerais bien l'attaquer lui aussi. J'ai plus d'armes à disposition. Alors, il en est où le boss? Oh là là, ça a pas beaucoup bougé. Par contre, il y a de la thune. Il y a de la thune! Let's go! Et c'est la fin pour toi, monsieur Citrouille. Quelle est ta dernière volonté, mon pote, avant que mes épées te terminent? Bon, en tout cas, tu m'as rapporté quand même 80 millions, ce qui va me permettre de pas accéder à la prochaine zone. Non, il va me manquer. Mais oui, il y a un boss là-bas encore. Attendez, il y a une sorcière et des trucs. Oh, attendez, il faut que j'aille voir ça. En tout cas, lui, il est mort. 84 millions en tout. Ok, c'est pas mal. Et là, du coup, c'est quoi qu'il y a ici? C'est l'autre zone ou... On peut y aller là par là? Ah non, on peut pas, y a un mur invisible. Ouais, c'est la prochaine zone, ça. Oh là là, il y a des sorcières et tout. Oh ouais, faut que je le tue, lui, en fait. 800 000! Oh là, c'est énorme. Ok, alors on va retourner au spawn. On va voir ce que je peux avoir avec 84 millions. À mon avis, pas beaucoup, hein. Ah oui, je peux avoir... Ouais, celle à 18 millions, ça peut être pas mal. Allez, vas-y, je vais débloquer donc celle-là. C'est parti, 18 millions une fois. Et... Ta-da! Extended Box. Ok, c'est de la merde. Je crois... Ah, non, j'ai eu celle-là. Ça va. Allez, on en ouvre une. Notre. Elle fait combien, celle? Combien d'abord, là?
1800, ok, ça commence à être du sérieux. Oh, la Pointheimer, ok, elle est stylée, mais par contre, c'est pas celle-là qui est la meilleure. Allez, on en débloque une autre. Ça, là, c'est les boîtes de Phantom qu'elles s'appellent, hein, ces boîtes-là. Ça rigole plus. Pointheimer encore, non, ok. Ok, j'ai compris que j'avais pas de chance aujourd'hui. En fait, j'ai eu de la chance sur les premières caisses, les caisses toutes pourries là-bas à 1000. Et les caisses à 18 millions, par contre, y a pas moyen d'avoir de la chance, hein. Mais non, c'est pas possible. Oh, pas de chance, hein. Bon, ok, allez, on va retourner là-bas. Je vais mettre toutes mes nouvelles armes, parce que du coup, ça dégage. 1500, 1400, 1300, 1800... Ça y est, je crois que j'ai équipé le meilleur, on est pas mal. Ouais, ils sont quand même malgré tout, pas mal stylés quand même, les épées avec les pics comme ça. Bon allez, faut que j'aille apporter du renfort à mes petites épées qui sont en train de se battre toutes seules là-bas. On a ce fantôme à terroriser, à terminer. Alors, il est à combien? Oh, mais il est presque terminé, vous avez fait le taf en vrai. Allez, on termine ça. Go, on attaque. Voilà. Donc là, j'ai vraiment, voilà, j'ai jamais eu autant de puissance. Franchement, on est bien. Ce qui va nous permettre donc de terminer ce dernier. Je vais aller réattaquer le boss. Et maintenant, prochain objectif, avoir la nouvelle zone. Donc il me faut 100 millions, je crois. Donc là, il va vraiment falloir taper du boss, hein, clairement. Je m'occupe des boss. Peut-être deux boss et ça me permettra de l'avoir, je pense. Ah non, peut-être un seul boss, hein. Un seul boss, ça va peut-être me permettre de l'avoir. Allez, go taper. J'ai les 168 millions, les amis. Et lui, maintenant, on doit encore plus le défoncer que tout à l'heure, c'est sûr. Allez, hop, allez, on se fait plaisir tant qu'on y est. Et nous, on s'achète donc la zone à 112 millions. C'est parti. Mais c'est un monde paradisiaque, les amis. C'est vachement beau ici. Il y a des petites grenouilles, apparemment. Ok. Alors, il est fini, lui, ou pas? Presque. On va aller voir ce que ça donne. Oula. J'aime pas trop être à l'intérieur. Non, vas-y. Arrête. Laissez-le tranquille. On va aller voir ce qu'il y a ici, parce que je vois qu'il y a des petites grenouilles. C'est quoi ces types? C'est quoi ces gars? Mais je peux pas les attaquer, ils sont trop mignons. Bon, allez. On va s'en faire une. On va visiter ça. Oh, une zone à 430 millions. Ensuite, c'est énormissime. Et le boss, il est où? Il est où le boss de la zone, les amis? Oh, c'est lui le boss? C'est lui vraiment le boss? Non, bah... Ah, il est là. C'est lui le boss. Oh. Ok. Combien? Oh, mais il a plus beaucoup de vie. On peut le terminer. Venez là. Venez. Eh oh. Rejoignez-moi, les épées. Rejoignez-moi. Tac. Elles sont où, les autres? Allez, go. Boulot. On va terminer ce gars-là. Oh, ouais, mon défonce. Mais il a combien de vie de base? Parce que franchement, ça va super vite, là. Hein, on est bien. Alors, apparemment, j'ai assez de thunes pour acheter donc la nouvelle caisse qui s'est débloquée. Donc, on va attendre de terminer lui. On va aller voir la nouvelle caisse. Et encore un nouveau boss affiché sur ma liste de têtes à défoncer. Enfin, qui est déjà tué. Ça fait plaisir. Allez, go spawn. Et on va aller voir, donc, du coup, c'est lesquelles. Oh, c'est celle en haut à gauche, non? Oh, ça devient du sérieux, là. On arrive au dernier étage des épées. 75 millions. Waouh. Alors, celle-là, par contre, elle est juste ouf, s'il vous plaît. Juste, donnez-moi celle-là. Juste celle-là, s'il vous plaît. Je demande pas la meilleure. Vraiment, l'avant-dernière, ça me suffira. Allez, attention. Oh, ok, j'ai eu la plus pourrie. C'est pas possible. Donc moi j'ai eu, c'est laquelle? C'est celle à 2600, ok, bon ça, c'est quand même ma meilleure épée que j'ai jamais eue pour l'instant. Ça y est, on a enfin eu mieux que la première, donc ça c'est cool, enfin que celle que j'avais achetée en Robux. Et voilà, là par contre, qui peut me tester avec toutes ces armes autour de moi? Dites-moi ça. Alors là par contre, si on s'attaque au géant noob là, comment ça se passe pour lui? Je sais pas, là c'est le one shot. Ok, alors je crois que la zone qui manquait, c'était ça, la zone toxique là-bas. Mais il y a aussi la zone lollipop. Donc nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que le jeu vous a plu. Il était super bien, super bon simulateur que je vous conseille, bien évidemment. Si éventuellement vous voulez que je fasse la suite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Nous, on a plutôt bien progressé. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Redkill. Bye tout le monde.